Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic. Sans jouer et compte tenu des défaites de Lens, Reims, Rennes et Brest, les Aiglons n'auraient-ils pas fait la meilleure opération du week-end dernier? Pour le savoir, il faudra bien sûr faire le bilan de la semaine cruciale qui s'annonce avec la réception de Lorient, puis les déplacements à Marseille et à Strasbourg. Pour en parler cette semaine avec moi, William Mbercé, fidèle au poste. Salut Will. Salut Mika, bonjour à tous. Vivien Seller, salut Vivien, le petit jeune. Salut Mika, Seller c'est mieux que Seller, si je peux me permettre. J'ai dit Seller, hein. Ouais. Ouais, non, non. Tu reverras la banque. Et l'inénarrable François Paturel est avec nous. Salut François. Salut Mika. Bon, grand plaisir. Grand plaisir de te retrouver. Très bien, moi aussi, comme toujours. Notre invité cette semaine est un observateur attentif de la saison des Rouges et Noirs, l'ancien défenseur du gym, Romain Genevoix, est de retour sur le plateau de Gym Tonic. Salut Romain. Bonjour Mika, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, c'est toujours un plaisir aussi de t'avoir avec nous. Parce que merci à vous. Le football, tu le suis toujours très bien. Jeune retraité, ouais, mais toujours l'œil avisé. Allez, au sommaire de cette émission, nous reviendrons donc sur le 0-0 à Reims il y a une dizaine de jours avec cette énorme loupée de Jérémy Boga. La quatrième place est-elle toujours envisageable? Ce sera notre pour-contre de la semaine. Nous nous interrogerons également sur le calendrier de cette fin de championnat perturbé par les Coupes d'Europe avec un Nice-PSG qui pourrait être reporté. Et puis nous nous tournerons vers ce match contre Lorient vendredi soir à l'Allianz Riviera. Plus d'excuses pour ne pas venir au stade. Et enfin, en fin d'émission, le Souviens-toi de François consacré à un ancien Niçois émerlu, l'attaquant Baki Koné. Pour attaquer ce gym tour, retour donc sur ce 0-0 entre Reims et Nice. Un match, mon cher Will, que les Aiglons auraient dû remporter. Ben oui, ils auraient dû l'emporter parce que Nice avait marqué, mais Boga l'a raté. c'est un loupé incroyable qui... On en parlera tout à l'heure. On en reparlera. Et puis il y a eu déjà une opportunité avant aussi pour Mofi. Il y avait des occasions, je trouvais qu'on avait retrouvé un OGC Nice conquérant, agressif, mais encore une fois inefficace face au but. Et finalement, mis à part en toute fin de match, quand Boulka réalise deux arrêts importants, Nice n'avait vraiment pas été inquiété. Donc le point, c'était vraiment le minimum qu'il devait ramener. Et j'ai peur que les deux points qu'ils n'ont pas su ramener manquent à la fin. Bon, on va regarder les stats rapidement de cette rencontre entre Reims et Nice. On ne va pas s'éterniser sur cette rencontre. Elle est passée il y a une dizaine de jours. On va voir que la domination quand même était niçoise au niveau des tirs, au niveau des tirs cadrés, égalité. Mais c'est vrai que c'est dans les tirs non cadrés, puisque le tir de Boga est un tir non cadré, qu'il faut s'arrêter aussi. Romain, en voyant le match, et je sais que tu l'as vu également, on se dit comment cette équipe de Nice, à la mi-temps, rentre sur le score de 0-0? Ouais, c'est un peu le mystère, la magie du foot. Parfois, on mérite de mener et on ne mène pas, et parfois, on ne mérite pas et on mène. Ouais. Donc voilà, c'est dommage. C'était un peu dans la lignée, je pense, que du match de Lens, où on a vu des très bonnes choses revenir dans cette équipe sur le plan de la solidarité et du contenu. Et malheureusement, il y a manqué d'efficacité. Et on va parler évidemment du raté de Boga dans quelques instants. Mais Vivien, il y a aussi surtout cette tête à la fin de Khéphren Thuram, aussi, sans conviction, sans envie, comme un minime, j'ai envie de dire, qui joue pas les Coupes d'Europe, quoi, en fait, tout simplement. Ouais, c'est pas nouveau que Khéphren manque un petit peu de ce côté tueur. On l'avait vu le faire à Lens, mais globalement, on sait qu'il lui manque un petit peu et qu'il est un peu tendre aussi dans ce domaine-là, dans le domaine offensif et de la tête. Après, ces résultats-là, je sais jamais comment on doit les voir. On peut se dire que c'est pas trop mal parce que Nice était retombé très bas contre Nantes et William l'avait écrit le lendemain, tu te rassures, tu prends pas de but, tu te crées quand même des occasions. Mais d'un autre côté, tu avais aussi su être bon à Lens quelques semaines avant, donc tu peux dire que c'est un peu frustrant de ne pas ramener une victoire de ce match-là. Avec le week-end suivant, tu n'as pas joué et que finalement tu as presque repris des points concurrents, tu peux dire que c'était peut-être un bon nul, mais en fin de saison, c'est vrai que ça peut compter quand tu as eu autant d'occasions. François, c'est vrai que Reims, en plus, c'est un concurrent direct aux places européennes. Le fait de les laisser finalement à 4 points derrière, ça peut-être considérer comme une bonne opération? Oui, bah, prenez un point à l'extérieur. Moi, j'ai vu la réaction de Farioli à la fin. Il n'avait pas l'air trop déçu, le gars, l'entraîneur. Donc, je pense que c'était quand même pas une mauvaise opération, surtout après la contre-performance à la maison contre Nantes. Il fallait un petit peu se rassurer. Et je pense que sur ce point-là, le match n'a pas été mauvais.
Il y a eu clean sheet, c'est déjà voilà. Non, il y a eu clean sheet, il y a eu l'attitude qui était bonne, mais c'est vrai que cette tête de Thuram que j'avais oublié. Je revois même Lilian qui est passé à l'écran d'ailleurs au stade. Juste à ce moment-là, j'étais effaré. Mais effaré. Presque en colère, vraiment. Ouais. Comment c'est pas possible qu'il ne la mette pas celle-là, quoi. Ouais. Il se voyait lui la mettre. Presque, seul Lilian. Face au but, ouais. À 10 mètres. Et c'est là que Kefren, il doit vraiment, vraiment progresser là-dessus, parce qu'il doit être tueur. Là. C'est une opportunité énorme. Il n'a pas d'adversaire vraiment qui le marque. Et grand, crois, elle est trop belle sa tête en fait. Je crois que cette année les milieux de terrain niçois n'ont pas beaucoup marqué de buts. On en a parlé énormément de fois sur ce plateau. Il y a eu Sanson à un moment donné qui a mis quelques buts. Boudaoui qui a mis deux aussi. Thuram contre le souffle, but, la pas et c'est fini. Et c'est fini. Allez, on va passer au focus. On a déjà un petit peu parlé, mais on va parler évidemment de Jérémy Boga. Un raté qui vaut cher, une incroyable occasion dans la première période pour Jérémy Boga, à quoi, un mètre du but, deux mètres, même pas, exactement côté gauche, mais c'est plus facile de la mettre au-dessus que de la mettre dans la cage, quoi. Mais c'est surtout plus difficile de la mettre au-dessus, pardon, que de la mettre à la cage. Ouais, c'est ce que j'avais écrit, c'est plus difficile à faire ce qu'il a fait que de la mettre, je pense. Après, c'est toujours facile quand on est en tribune, qu'on regarde. Mais là, ce qui m'a surtout marqué, c'est qu'en fait, il a même le temps de contrôler, s'il veut. Ouais. Il a le temps de contrôler. Commander un pastis. Et de finir, mais tranquille. Et ça m'ennuie, c'est que dans cette précipitation, ça risque de coûter très cher à la fin. Et en plus, il fait un très bon début de match, Boga. Il est justement, c'est lui qui donne le bon ballon à Mofi dans l'espace direct à la 7e minute. Tu as une super opportunité que Mofi rate. Le coup franc direct qu'il frappe très bien au premier poteau avec conviction. Un peu ce qui lui manquait ces derniers temps dans le geste. Et là, par contre, il retombe dans ses travers directs. J'ai l'impression qu'il avait déjà marqué dans sa tête, en fait. Il met le pied comme ça en appui, en opposition, et puis il ne met pas de conviction, et puis ça passe à côté. Et moi, ça m'arrive un peu au paddle, des fois, tu sais. Le point, il est déjà fait, ouais, mais paf, dans la vitre. Ouais, mais toi, tu as le jour de paddle du dimanche, tu vois. Lui, il est quand même professionnel. Franchement, l'action était très bien menée, en plus, avec l'appel au premier qui a aspiré le défenseur. Tout est magnifique. La petite déviation, elle est involontaire, mais au final, elle permet à Boga de se retrouver seul. Et vraiment, il fait contre-pied gauche. Pas du pied droit, merci, au revoir. Et c'est gagné, quoi. On est sévère, Romain, parce que toi, tu as été joueur de foot professionnel. Tu sais que c'est aucun but n'est facile à marquer, évidemment. Mais est-ce qu'on est sévère avec Jérémy Boga sur ce coup-là ou vraiment c'est une grossière erreur? Ah, on peut, effectivement. Faut pas être sévère dans le sens où faut pas lui mettre la tête sous l'eau non plus. Ça arrive au meilleur. Mais effectivement, on peut regretter cette occasion, parce que je pense que Will l'a dit, il y a de fortes chances pour qu'il ait vu déjà la balle au fond et qu'il n'ait pas mis la concentration qu'il fallait. Et ça, c'est dommage, on doit être concentré. Après, voilà, bien évidemment, c'est toujours plus facile de le dire, effectivement, derrière un écran, mais voilà, il doit être concentré, c'est son poste, c'est son rôle d'être décisif à un moment donné, et là, il devait l'être, et il devait être concentré pour justement concrétiser cette action. Décisif, il l'a pas été souvent, Jérémy Boga, cette saison. On va regarder les stats du milieu offensif niçois, de l'attaquant niçois. 22 matchs effectués, 4 buts seulement inscrits et 2 passes décisives. Alors certes, il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations au milieu, mais pour un joueur frisson, comme l'avait surnommé Jean-Pierre Hiver, on se rend compte que c'est très insuffisant. 4 buts, vu la moyenne de l'équipe, on va dire que c'est entre guillemets honorable, mais c'est les passes décisives surtout. C'est insuffisant. Un Quand garçon, et surtout avec ces qualités-là, lié, parce que on va pas revenir sur ce qu'avait dit Farioli, bon, qui le considérait comme l'un des meilleurs du monde dans le 1 contre 1. Bon, ben, c'est son coach, il le câline un peu, mais il faut quand même l'avouer, il a des super qualités en percussion. Il va très vite, il est déstabilisant et il a quand même mis à mal la défense parisienne la dernière fois en Coupe de France. Donc, il est capable. Mais seulement, moi, ce que je trouve qu'il lui manque à ce garçon, c'est la conviction, la certitude d'être... Il a dit, je suis capable d'être le leader technique de cette équipe, mais il ne le montre pas. Il n'a pas l'investissement d'un leader technique. Il est pas c'est Jérémy Boga, François, que tu envoies un texto, là, comme ça. Il est en train de te parler directement. Qu'est-ce qui se passe? Soyez pas trop durs, les gars. Voilà, soyez pas trop durs, les gars. Il y a un fort rebond, là, sur la pelouse de l'Aune, là. Bon, ça peut arriver. Il est en train de travailler sur ce gâteau, François. Bon, allez, Julien, tu voulais dire. Non, je trouve même dans les matchs, globalement, il n'est pas suffisamment consistant, même d'un match à l'autre. De mémoire, il y avait un très bon match de lui qu'on traîne à domicile, je crois. Il est marché sur l'eau, il a fait mal au. Sur l'ancien club. Effectivement.
au latéral rennais. Même globalement, il y a les stats, même ce qui rend le rendu de ses copies. Je trouve que c'est quand même insuffisant par rapport à ce qu'on attend de lui, comme beaucoup d'offensives du gym, malheureusement. Mais il est un peu trop inconstant. Et là, on peut plus le pardonner si c'est un joueur défensif qui se retrouve dans cette zone, il loupe ça. Bon, tu peux te dire que voilà. Là, pour un joueur de son calibre et ce qu'on attend de lui, ça fait un petit peu tâche. Surtout que, comme l'a dit Will, c'est vrai qu'il avait fait plutôt un bon match. Et après, derrière, par contre, il s'est effondré. Mais tu disparais quand tu rates une occasion pareille. C'est difficile dans la tronche, même si ses collègues n'ont pas, semble-t-il, ne lui ont pas fait de reproches. Ça pèse quand même dans la tête. Et c'est vrai qu'après, dès qu'il avait un ballon, il n'osait plus rien, il rejouait en retrait. Ça y est, il était sorti de son match. Et on a essayé de le faire parler en zone mixte. Et il nous a esquivé en nous faisant bien comprendre qu'il n'avait pas du tout envie de parler. Pourtant, il était là en conférence de presse avant le match, hein, pour parler justement. Oui, avant le match, mais après son raté, par contre, merci, au revoir, direction le bus et je ne veux plus parler. Bon, c'est peut-être un peu normal ça, Romain, quand on est dans la tête sous l'eau un peu comme ça, c'est difficile d'aller voir après les journalistes pour s'expliquer, quoi. Oui, après, je pense que ça doit faire partie de son travail aussi. Donc bon. Assumer, quoi. Assumer, je veux dire. C'est fait. Je l'ai loupé, je ferai mieux la prochaine fois. Quoi. Voilà, ouais. s'il aurait dû avoir une vraie force, c'est pouvoir se remettre à l'endroit tout de suite. C'est comme il dit, l'action d'après, justement, essayer de gommer cette erreur en étant décisif, soit par une passe, soit par une autre occasion, but de but. Exorciser un peu. Voilà, exactement. Et sur le terrain, on a la chance encore de rectifier la chose. Donc il faut. C'est toujours facile à dire. Mais sur le terrain, t'es encore là, t'as encore la chance de faire une différence. Le seul but que t'as marqué, c'était à peu près dans la même position, tout près de la cage. Toi, tu l'avais battu là-dessus, celui-là. Voilà, on m'a pas aidé, hein, parce que Carlos, il m'a fait une faute, il a pas pu marquer. Il y a le joueur de Marseille, je crois que c'était Romaro. Et qui me pousse dans le dos. Enfin voilà, je n'ai pas été aidé, mais. C'est peut-être ça qui t'a permis de le mettre. Mais là, je rigolais parce que je pensais au fait d'assumer un peu. Mais ça me fait penser à Alan Saint-Maximin, vous vous rappelez, au Parc des Princes. Quand il envoie sur la barre à 2 mètres de la ligne, et qu'après il se pointe en zone mixte et il dit: ah, ça va, je l'ai mis sur la barre quand même. Je l'ai pas mis. Il pensait que c'était change, je t'écoute. Ouais. Il ne faut pas s'arrêter finalement. Ouais, comme ça. Mais bon. C'est un peu les mêmes genres de joueurs, hein. Qualité technique, percussion, tout ça. Ouais. Mais au final. Un peu poulet sans tête, tu veux dire? Non. C'est l'expression chère à Karine Galli. Ouais, mais c'est un peu dur de dire ça. Mais je trouve juste qu'ils peuvent faire beaucoup mieux avec le talent qu'ils ont dans les pieds, dans les derniers mètres. Ils doivent avoir 15 passes décisives, ce genre de joueurs. Après, qu'ils ne veuillent pas s'afficher, parler aux médias, moi je peux comprendre. Oui, ça, c'est autre chose. Après une défaite, souvent, la plupart, ils fuyaient et on allait récupérer certains à qui ça ne dérangeait pas de venir parler. Toujours les mêmes. Mais c'est plus sur le terrain où je me dis, voilà, sur le terrain, voilà, t'as loupé, c'est pas grave, il faut faire le maximum. Un joueur qui a parlé après le match, je crois que c'est Todibo, et il a subi une deuxième fois qu'il aurait dû valoir une expulsion, un joueur de Reims. Et ce qu'il a dit m'avait un peu étonné en disant « Oui, j'ai pas voulu la jouer trop à l'encontre du joueur. C'est vrai que ça méritait peut-être pas jaune. » Est-ce qu'on n'est pas un peu trop gentil dans ces cas-là? Ah, je sais pas. Moi, je comprends un peu parce que déjà, d'une, avec d'abord, c'est la réaction des arbitres aujourd'hui. Alors, autant M. Vatellier, je suis d'accord avec ce que disait Todibo, c'est l'un des meilleurs en Ligue 1. Il laisse jouer, tu peux plutôt parler avec lui. Mais ils font peur quand même, ces arbitres, dans le sens où à peine tu vas aller les voir, tu vas prendre une biscotte, vas prendre un rouge. Et alors, pour la faute en elle-même, j'en ai parlé notamment avec Maxime Bacchi, notre confrère de France Bleu là-bas, qui lui voyait rouge. Moi, je trouve que c'est dur de mettre rouge là-dessus. Deuxième jaune, c'est juste. En fait, le joueur, il est là, il est de dos, il protège son ballon. Todibo arrive derrière, il lui marche sur le pied. Mais c'est involontaire. Tu te rappelles de Todibo qui, au bout de 8 secondes, avait pris un carton rouge? Mais c'est pas parce qu'il y en a un qui avait fait une bêtise que je réclame qu'il fasse tout le temps la bêtise aussi. Jaune, peut-être. Moi, je suis. S'il y a 3-4 joueurs autour de l'arbitre, là, il peut pas le mettre le jaune, là, à un moment donné. Moi, c'est pas une faute qui m'a incité, tu vois, à vouloir chercher le rouge. Autant à Brest, je me souviens, il y avait un pénalty normalement pour le gym pour une main. Là, oui, j'aurais aimé que les joueurs aillent entourer l'arbitre pour la réclamer. À Lyon, il y a plein d'autres matchs. Autant là, franchement, c'est litigieux, quoi. C'est un peu tiré par les cheveux. Avec la VAR, maintenant, c'est pas sûr. Ça se trouve, à l'oreille, on lui a bien précisé. Non, c'est bon. Il ne peut pas rectifier parce que soit il est rouge direct, c'est la VAR n'intervient dans ces cas-là que s'il y a hésitation entre rouge direct ou rien. Ouais. Ouais, voilà. Donc, il ne pouvait pas mettre juste jaune, quoi. La VAR ne pouvait pas lui dire ça vaut un jaune. Parce que là, c'était... Même si c'était deuxième jaune. On va écouter Francesco Farioli à propos justement, non seulement du raté de Boga, mais aussi, est-ce que c'est finalement un raté à l'image de l'attaque de l'OGC Nice cette saison? Écoutez la réaction de l'entraîneur niçois.
Alors, non credo sia soltanto degli attaccanti, ma sia più in generale della squadra. Ce n'est pas uniquement le fait des attaquants, mais de toute l'équipe. Et ça, c'est un problème qu'on traîne avec nous depuis plusieurs mois. Car quand on fait ces analyses, il faut savoir rester objectif et lucide. Tout d'abord, le plus important est de se créer des occasions. Et sur ça, on ne peut pas se plaindre. Bien sûr, on pourrait faire plus, mais on arrive à en générer beaucoup. Pour cette équipe, il manque, si on regarde les statistiques, bien sûr, il manque 17 buts. Donc, c'est rien que sur ces 17 buts, on en avait marqué 4 ou 5 de plus, le classement serait très différent aujourd'hui. Malgré ça, il y a beaucoup de choses positives. Maintenant, on a 6 matchs fondamentaux devant nous, dans un championnat qui est très serré et où chaque journée peut faire la différence. On doit préparer ces matchs, le prochain, à commencer par le prochain, avec attention, et inverser cette tendance qui commence à durer depuis trop longtemps. Voilà, inverser la tendance en attaque. On espère que Jérémy Boga, face à Lorient, eh bien, sera un petit peu plus inspiré et se rachètera un petit peu de son erreur. On va faire le pour-contre. Allez, on y va, le pour-contre. Et oui, parce que comme je le disais en introduction de cette émission, sans jouer, l'OGC Nice a peut-être fait la meilleure opération du week-end. Rennes, Reims, Lens ont perdu dans cette journée où Nice n'a pas encore joué. Il jouera son match en retard face au Olympique de Marseille la semaine prochaine. Lille affrontera également Monaco, donc ça va être des confrontations directes pour ces places européennes. Donc la question est celle-ci. Brest est également perdu, voilà, c'est le dernier que je chercher. Est-ce que la quatrième place est toujours envisageable? Qui avait commencé la semaine dernière? Je commence à chaque fois contre William. Tu commences à chaque fois. Tiens, allez, Will va commencer cette semaine. Will, est-ce que la quatrième place est toujours envisageable pour l'OGC Nice et doit-on l'envisager? Évidemment. Évidemment. Non, mais déjà, il y a un point très facile, c'est mathématique. 5 points, sachant que dernière journée, Lille-Nice et que Lille est le quatrième. Ben, Nice a son destin entre les mains. Si tu gagnes tout, y compris à Lille, normalement, tu devrais leur passer devant parce qu'ils vont forcément, eux, perdre des points. Donc, mathématiquement, il faut y croire. Et deuxièmement, je trouve que malgré le résultat mitigé à Reims, on retrouve encore une bonne attitude. On sort d'une période qui a été compliquée. Il y avait aussi le Ramadan qui pouvait un peu toucher les organismes. Aujourd'hui, c'est fini. Et on a de nouveau des individualités qui ont repris espoir en une fin de saison heureuse, avec vraiment l'ambition d'aller chercher cette Coupe d'Europe et pas la Ligue Europa Conférence. Voilà. Aujourd'hui, en interne, le groupe veut aller chercher minimum Ligue Europa. Et ils ont leur destin entre les mains. Donc, conviction plus option mathématique, bien sûr qu'il faut aller la chercher. Moi, je dis que non, parce que les dynamiques des trois clubs devant sont trop bonnes. Ils ont trop peu perdu ces derniers temps. Ils sont trop constants. Ils sont trop bien lancés. C'est pas des équipes qui ont connu des phases creuses où on peut... Alors, on n'est pas à l'abri que ça leur arrive. Hein. Mais globalement, on n'a pas vu ça chez Brest, Lille et Monaco. La seule chose, c'est que ces équipes-là s'affrontent, donc peuvent perdre des points. Ça peut être la chance du gym. Nice a une attaque trop faible et a trop peu de marge, finalement, pour se permettre un peu les hésitations qu'elle a, des fois, défensivement, même si c'était mieux à Reims. Le calendrier est quand même costaud pour Nice avec ce dernier match, justement, ça me paraît compliqué. Moi, je pense que Nice, alors évidemment, si Nice peut accrocher plus haut, c'est ce qu'il faut viser, mais un peu plus intérêt à essayer de verrouiller la place actuelle et à regarder derrière avec Lyon qui revient fort à 3 points et qui est vraiment dans une dynamique incroyable. Bien aidé par les arbitres, même si globalement, c'est quand même bien plus consistant. Lyon avec le mercato hivernal qui les a bien aidés, évidemment. Lens est un peu en chute libre, mais je vois Lyon revenir très fort. Et je pense que Nice a plutôt intérêt à essayer, entre guillemets, c'est facile à dire, mais de verrouiller cette place-là, ça me paraît un petit peu trop compliqué de viser plus haut. Romain, est-ce qu'il faut y croire toujours à cette quatrième place tant que mathématiquement c'est possible? Oui, bien évidemment. Déjà, il faut chercher la meilleure place possible. C'est la base, j'ai envie de dire, quand on est compétiteur. Et puis, on est à un moment du championnat où c'est le moment clé, je veux dire, pour aller chercher, pour mettre le bon coup de collier, aller chercher ce qu'on veut. Et voilà, donc à l'image un peu d'un début de saison où même si on va jouer des équipes de gros calibre, on est en début de saison, elles ne sont pas tout à fait calibrées, on a des chances de gagner. Là, pour moi, c'est un peu la même chose. Je veux dire, il y a moins de calculs à faire par rapport à ce qui a pu se passer. Parce qu'on est vraiment sur le sprint final et à un moment donné, là, il faut lâcher les chevaux. Et il y a des matchs, voilà, même si les équipes
qui ont l'habitude de mieux finir ou qui ont mieux joué sur les derniers matchs. Là, on est vraiment sur les matchs de fin et je pense qu'on peut faire la différence juste en termes de détermination et en allant chercher les choses avec un peu plus de risque. Avant de donner la parole, François, on va afficher le classement. Hein. Ce n'était pas prévu qu'on l'affiche à ce moment-là. Mais pour bien avoir en tête, on va afficher le classement de cette Ligue 1. Et on va voir qu'effectivement, l'OGC Nice a la cinquième place à 5 points de retard donc, sur Lille. 7 sur... non, un peu plus sur Monaco. 8 sur Monaco et 9 sur Brest. Alors Monaco, Lille, Nice ont un match en moins. Et puis derrière, eh bien, Lens... effectivement décroche un petit peu mais reste un petit point derrière et Lyon revient fort, Reims et Marseille et Rennes, voire même Rennes sont ensemble un peu décrochés. Et Monaco joue Brest et Lille là dans les deux matchs qui suivent, ça va être un peu le juge de paix déjà pour eux, hein, pour le podium déjà. C'est pour ça parce que tout à l'heure tu disais Monaco n'a pas eu de creux cette saison. Ils l'ont eu à domicile. Je suis plus que les deux autres, c'est vrai, mais ça fait un moment qu'ils ont fait une petite grimace parce que c'est vrai, un petit peu plus que ils l'ont eu à domicile Monaco effectivement. Et ils reçoivent Lille. Ils reçoivent Lille. Mais là, ils sont repartis un peu dans leur match. Ils l'auront à ces derniers temps, c'est vrai. François, la synthèse de tout ça, qui te convainc le plus dans l'histoire? Oui, j'ai du mal à me convaincre personnellement que Nice va choper la quatrième place, surtout dans le contenu actuel des matchs. Ça me paraît un peu trop faible pour aller mettre un coup de collier comme ça, rattraper les Lillois qui me paraissent bien en ce moment, au contraire des Lensois qui me semblent vraiment dans le dur et qui jouent pas bien. Ça va être un petit peu juste. Voilà. Si dépendant aussi peut-être de la Coupe d'Europe. Hein, c'est ça, Lille a un quart de finale retour à jouer jeudi. Faudrait presque que Lille passe demain pour le gym. Ah, mais c'est ça le vœu formidable, ce serait que Lille continue son chemin. Comme ça, ils sont concernés à fond par la Coupe d'Europe et qu'ils vont perdre des forces physiques. On voit déjà qu'ils ont perdu Zegrova pour ce match-là. Zegrova qui est leur meilleur joueur actuel. Donc ça coûte des points et des forces, la Coupe d'Europe. Et juste pour faire un peu l'avocat du diable, est-ce que cette quatrième place... il la faut à tout prix pour l'OGC Nice dans le sens où est-ce qu'il ne faudrait pas assurer, comme a dit Vivien, cette cinquième place qui, elle, là, t'es sûr de quand tu joues et dans quelle Coupe d'Europe tu joues pour préparer ton mercato, pour faire venir des joueurs et des choses comme ça, que cette quatrième place avec un tour préliminaire, on sait bien que c'est toujours compliqué pour un club français, les tours préliminaires de Ligue des Champions, avec un recrutement peut-être tardif par rapport à ça, tout plein de choses qui peut effectivement mettre des bâtons dans les roues à cette équipe niçoise. Ce qui est sûr, à mon avis, c'est que Nice a vraiment intérêt à décrocher une qualification européenne cette saison, parce qu'on est quand même un petit peu dans une période un petit peu transitoire, le flou sur les intentions des actionnaires britanniques, et je crois que s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, on risquerait un petit peu d'avoir une opération d'égraissage dans l'effectif. Et sur cette quatrième place, là, finalement. Moi, je garde en mémoire ce fabuleux... Oui, mais t'es pas passé. Si, t'as éliminé l'Ajax Amsterdam, t'as vibré contre Naples, d'accord avec toi. T'as eu un petit peu la musique de la Ligue des Champions qui a résonné à l'Alliance. Oui, mais là, c'est sur un match aller-retour, quoi, maintenant. Mais je m'en fiche, je prends. Mais évidemment que je prends. Tu peux pas cracher sur ça. Et puis en plus, il faut revoir. Ça peut pas te plomber un peu le début de championnat. Il y a un peu les calculs à revoir. Attention, selon le parcours que font Paris, Lyon, Lille et l'OM, s'ils vont encore un peu plus loin, le coef UEFA de la France peut monter encore. Et peut-être que cette quatrième place, elle peut être directement qualificative. Si tu finis dans les quatre meilleures nations, si tu finis effectivement dans les quatre meilleures nations, trois ou quatre, je sais. Quatre meilleures nations. Quatre meilleures nations. Voilà, c'est ça. J'aimerais parler de quelqu'un qui maîtrise tous ces schémas-là, ces possibilités. Je trouve que c'est compliqué de l'évolution au cours des saisons, l'évolution des points. Usine à gaz. C'est des comptes d'apothicaire. Ouais. Mais moi, je peux pas me dire que non, vaut mieux la cinquième, comme ça, tu fais pas les barrages et tout. Mais t'imagines, les barrages, on sait jamais qui tu prends et tu passes. Et tu vas cracher sur une participation surtout à la Ligue des Champions. Surtout que maintenant, c'est la Ligue des Champions, c'est 8 matchs. Hein. Et que maintenant, il y a des équipes beaucoup moins fortes. Tu ne peux plus affronter des équipes du niveau de Naples ou de l'Ajax d'Amsterdam dans les tours de barrage, puisque 5 qualifiés en Première Ligue, en Italie, c'est l'histoire des chapeaux directement, je parle à la prochaine. Je l'ai déjà dit, en Angleterre, en Serie A, pardon. Voilà. Enfin bon, ça fait beaucoup format de la Ligue des Champions aussi, qui donne 8 matchs cette année à jouer, 4 à la maison, 4 à l'extérieur. Donc, tu es sûr déjà d'avoir de jouer 8 matchs, quoi qu'il se passe. C'est formidable. C'est formidable, tu ne peux pas cracher sur ça. Non, puis bon. Pour la quatrième place. Non, puis le meilleur moyen, entre guillemets, c'est moi qui le dis, de se consoler d'avoir la cinquième place, c'est de chercher la quatrième. Exactement. Donc voilà, donc faut chercher la quatrième. Pas déçu. Voilà, il faut chercher la quatrième place. Viser plus haut pour pouvoir se satisfaire peut-être un peu moins. Viser la lune, ça ne me fait pas peur, disait
Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Non. C'est ça, Melbent, bravo. Alors, on parlait effectivement des Coupes européennes et la qualification brillante du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions. Risque de reposer un casse-tête au niveau du calendrier de la Ligue 1. On va voir le calendrier du Paris Saint-Germain sur la fin de cette saison, avec donc cette double confrontation contre Dortmund le 30 avril ou le 1er mai. Ce n'est pas encore fixé, ça le sera certainement vendredi prochain. Match retour le 7 ou le 8 mai. Mais entre-temps, eh bien, il y a cette rencontre entre Nice et le Paris Saint-Germain. Entre ces deux matchs-là, mon cher Will, déjà... des infos par rapport au calendrier en lui-même. A priori, si le Paris Saint-Germain jouait le mardi, c'est ça, le mardi 30 avril, il y aurait peu de chances que le match de Nice soit décalé. C'est ce qu'espère en substance le club de l'OGC Nice. C'est que, vu le programme des demi-finales, l'affiche des demi-finales devrait être l'autre demi-finale. Donc Paris, et souvent, l'affiche est placée au match aller le mercredi. Donc Paris devrait jouer le mardi dans ces cas-là. Et un vendredi Nice-PSG un vendredi, ça pourrait passer. Tu nous donneras la position exacte du club dans l'indiscret juste après. D'accord. Pour pas trop en dévoiler. D'accord. Mais moi, personnellement, pour rester sur ce point, je pense que vu ce qu'ils ont fait pour les quarts de finale, je ne vois pas comment la Ligue va programmer un match entre les deux demi-finales. Ils ne l'ont pas fait pour les quarts, je ne vois pas pourquoi ils le feraient entre les demi. Donc moi, à mon avis, ce match il va être reporté. Alors à ce moment-là, Romain, Nice jouera... les trois dernières journées de championnat en une semaine, d'accord, avec un match le samedi, un match le mercredi et un match encore une fois le samedi. Là, y aurait-il pas un problème d'équité? J'ai envie de dire non, parce qu'en fait, en tant que joueur, en général, on aime bien jouer tous les trois jours. Et puis là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le sprint final, donc c'est l'occasion de concerner tout le monde. S'il faut faire jouer un tel sur ce match-là et l'autre après, enfin, les matchs sont tellement rapprochés que pour moi, il n'y aura pas de différence. Le seul truc, c'est peut-être effectivement, c'est par rapport aux autres résultats. Si on ne joue pas, comme tout à l'heure, comme on disait tout à l'heure, ça va être comme pour le match de Marseille. C'est les résultats des autres qui va voir si ça va être à plus ou un point négatif. Parce que ça rajoute quand même une petite pression quand on part avec un match de moins, sachant qu'on a quelque chose à aller chercher, c'est mieux, plus facile dans les têtes, au niveau de la pression à gérer, que quand on part avec un match de moins et que du coup on doit aller chercher des équipes qui ont déjà chopé l'opportunité. Donc voilà. Surtout, Vivien, que si le match entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain était décalé la dernière semaine, dans le sprint final de cette Ligue 1, le PSG serait certainement déjà champion, hein, puisqu'ils ont pour l'instant 10 points d'avance. Ils seraient peut-être concernés par une finale de Ligue des Champions. On ne peut pas dire qu'ils mettraient peut-être la grosse équipe à Nice à ce moment-là, même si Luis Enrique a dit quand même en conférence de presse qu'il jouerait tous les matchs de la VR de façon possible à fond. Mais bon. D'autant que j'ai pas retenu la date exacte, mais aussi la finale de la Coupe de France. Le 25 mai pour la finale. Donc c'est quand même un calendrier qui va être hyper chargé pour eux. Ça peut permettre au gym d'affronter un PSG un petit peu déconnecté, même si les coachs évidemment vont pas nous dire que les joueurs vont prendre le match par-dessus la jambe. Là, ce qui serait pas de chance entre guillemets, c'est que le gym soit concerné les deux fois. Oui. Par des matchs décalés, parce que il y a Marseille et il y a PSG, pas des moindres matchs en plus. Donc le fait qu'il y ait une semaine sans match, je pense que ça peut être pas mal de temps en temps pour bosser de manière un peu plus intense sur certains aspects. Ce qui est plus compliqué effectivement, c'est quand c'est recasé derrière, est-ce que physiquement ils vont être capables d'enchaîner et pas avoir de blessés dans ce sprint final, la question se pose. Il y aurait 15 jours entre le match contre Strasbourg et le match contre Le Havre. À ce moment-là, comme il y a eu cette semaine. Et admettons, tu le disais dans la dernière émission, s'il y avait eu défaite à Reims, les 15 jours derrière, ils auraient été compliqués. S'il y a défaite à Strasbourg, les 15 jours derrière peuvent être aussi assez compliqués. Ouais, avec des si en Coupe du Bois aussi. Et surtout, je me dis, excuse-moi, pour une équipe qui veut aller jouer la Coupe d'Europe, on va lui mettre un rythme de oui, mais en fin de championnat, tu vois. Ouais. Peu importe. Tu veux la Coupe d'Europe? Vas-y. Habitue-toi. Joue ce format Coupe d'Europe. Et montre que tu es capable d'aller chercher la Coupe d'Europe. Et ça, c'est valable pour tous les joueurs. Le problème, tu as raison, mais le problème, c'est les 15 jours sans match plutôt.
Mais c'est bien pour travailler. Là, on a eu Pablo Rosario tout à l'heure. 4e journée, tu commences à travailler. Mais non, mais travailler, récupérer. Il y a eu une période de Ramadan où les organismes, ça a été un peu difficile. Là, ça tombait plutôt bien. Voilà, là, tu travailles un peu, tu récupères, tu t'es fait un petit match amical là où Mofi a mis encore un doublé. Ça se met un peu en confiance avec ça. Moi, je trouve qu'au final, Nice est plutôt gagnant dans ce truc-là. Bon, on va le savoir quand là, vendredi. À mon avis, vendredi, ouais. Vendredi, parce que quand il y aura l'affiche des demi-finales, l'UEFA va faire son calendrier. Et donc, on saura. Et la Ligue, ça s'ajustera par rapport à ça. François, Le calendrier ? Ouais, est-ce que Nice serait lésé jouer les trois derniers matchs dans une semaine ? Pas du tout. Non. Non. Mais non, il faut. Moi, je suis d'accord. Je rejoins William. Nice n'a pas joué de Coupe d'Europe cette année, donc tu n'as pas eu un calendrier démentiel, loin de là. Donc s'il y a un effort à fournir au printemps avec les beaux jours, avec des garçons pleins de santé, allons-y, jouons. La période, c'est la meilleure. Même. Il fait beau à Nice en ce moment, il fait chaud. Et il va faire froid, fais gaffe. Remets-toi à ta petite piquette. Ouais, tu crois à la moumoute ? Oui, je crois. C'est le béret. Qu'en pensent les dirigeants de l'OGC Nice ? C'est l'indiscret de la semaine. Alors, on sait déjà que Jean-Michel Roussier, le président du Havre, lui, est vent debout contre un éventuel report de son match, parce que lui, c'est juste avant ses demi-finales de Ligue des Champions. Le Havre doit affronter le Paris Saint-Germain. Eh bien, quelle est la position aujourd'hui du club face à cet éventuel report, mon cher Will ? Ils attendent la décision, mais en gros, au sein du club, on espère vraiment jouer le vendredi. On n'a vraiment pas envie, en fait, de décaler ce match-là. Donc, ils vont pas... Surtout un match en semaine, avec un peu moins de public, peut-être. Ouais, et puis ils ont pas envie d'adopter la position non plus publique du Havre en disant, en s'opposant, parce que c'est quand même un club français. Quand oui, parce que les relations entre Jean-Pierre Rivière et Nasser sont excellentes. Oui, et puis il faut avoir conscience aussi que, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, Paris qui va loin, c'est bon pour le COEF UEFA, ça peut aussi être bon pour tous les clubs français. Donc, il faut pas non plus oublier ça. Oui, enfin, le Havre, il s'en fiche un petit peu. Oui, mais le Havre, il pense à ça parce qu'il a du coefficient UEFA aujourd'hui. Il a vu Paris contre Clermont, je pense, avant un match de Ligue des Champions, où Paris a mis l'équipe C, il espère la même chose. Ben oui, voilà, mais s'il jouait avec un match décalé, avec un Paris qui est déjà focus sur sa finale, pareil, il va avoir quoi ? Tu croyais qu'il va avoir l'Armada, Mbappé, Dembélé ? Non, il aura les remplaçants comme ils ont eu les autres. Donc, il faut pas qu'il se plaigne non plus. Après, voilà, l'OGC Nice n'espère pas que ce match sera décalé. Et dans ce cas, dans le cas où le match sera décalé, ils adopteraient quelle position, tu penses ? Ils en discuteront à ce moment-là. Ouais. C'est comme un peu le raisonnement des JO et de la sélection de Khéphren Thuram ou pas, par exemple. Et ben, ils en discuteront au moment venu. Voilà. Mais ils ont une position pour l'instant, c'est on aimerait jouer vendredi 3 mai. Bon, on verra le calendrier. On verra. À mon avis, c'est décalé. Ça, c'est la petite pièce que met Will. Voilà, donc, on était complet sur ce sujet-là. On en reparlera, évidemment, si cette rencontre venait à être décalée. On va passer aux abjimes, le meilleur de la coulisse, des coulisses de l'OGC Nice, capté par les caméras de OGC Nice TV. C'est parti. Les abjimes, c'est un fou. C'est vrai, t'aimes bien Melvin Barre ? C'est mon joueur préféré de Nice. Je suis content de voir Melvin Barre parce que c'est mon joueur préféré et surtout, allez Nice ! Plein d'enfants, c'était un bon moment, on a partagé un bon moment. Avec plein d'autographes à signer, donc j'ai des crampes au bras, tu vois. Mais non, c'était cool et c'était un plaisir pour moi aussi, donc c'est cool, j'aurais aimé avoir ça quand j'étais petit, donc si je peux le faire aussi, c'est un plaisir. Allez Nice ! L'association Adrien a été créée en 2005 suite au décès de mon petit garçon Adrien, qui était atteint d'une maladie orpheline incurable, et depuis maintenant 19 ans, on se bat pour apporter du bonheur et de l'énergie positive à tous ces enfants, à tous ces héros du quotidien qui demandent juste, on va dire, de vivre des moments magiques et pleins d'émotions. C'est tellement bien de voir nos enfants qui ne sont pas traversés les faciles chemins dans ces vies. Ils viennent ici avec grand sourire, des fois plus grand que nous. Je pense que c'est exemplaire pour nous-mêmes de retirer quelque chose de ça.
Voilà donc pour ce Zabjim que vous pouvez retrouver en intégralité sur les médias de l'OGC Nice TV. On va passer à l'avant-match donc entre Nice et Lorient avec ce match qui sera à 21h vendredi soir à l'Alliance Riviera. Je le disais aussi dans l'introduction, là, aucune excuse pour ne pas aller au stade quand même un peu, même s'il fait un peu plus froid que quand même là, vendredi 21h, un match aussi important pour l'Europe, on attend du monde. Du côté de l'Alliance, le problème, alors je ne vais pas t'interroger, oui, je vais interroger Vivien. Le problème, c'est qu'on pense que l'Alliance risque encore une fois de sonner un peu creux. Bah, vu l'affiche, les résultats du gym face à ce genre d'équipe globalement et la tendance des supporters, enfin, ou des Niçois à ne pas trop aller au stade, je mise quand même pas sur plus de 20 000 personnes. Enfin, j'espère 30 000 personnes, fin de saison, c'est fantastique, mais j'y crois. Il n'y aura pas, mais un gros 25 000, ça aurait été pas mal, non, Romain, contre l'Orient. Bah, c'est sûr, hein, c'est toujours mieux de jouer dans un stade plein. Et puis, c'est vrai que nous, quand on est... C'est le portable de... C'est le portable de François, ne t'inquiète pas, c'est Irboga qui sort de la pluie. On n'a pas dit souviens-toi. Je veux dire, quand j'étais là, que j'étais joueur, c'est vrai qu'on pouvait sentir la passion. C'est vrai que du foot, en tout cas ici, même quand on se baladait, tout ça. Mais par contre, c'est vrai que... ça ne se matérialisait pas toujours au stade. Donc, bien évidemment, il y a les fidèles, il y a les Brigades Sud et tout ça, la populaire. Mais c'est vrai qu'un stade, surtout l'Alliance Riviera, fait justement pour qu'il soit plein et qu'en plus, on puisse venir aussi en famille. Alors, c'est vrai que ce serait bien de pouvoir, surtout là, en fin de championnat, où on a besoin justement que le stade tremble un peu pour aider l'équipe et aller chercher le résultat. Donc, voilà. Donc, j'espère qu'ils vont nous faire mentir et qu'on sera nombreux. C'est vendredi. En tout cas, le club a fait tout pour, hein, puisqu'il y avait des places à 1 euro pour les abonnés. Ils pouvaient acheter des places à 1 euro derrière, je crois, hein, c'est ça Mais ouais. Il était temps. Mais non, mais oui, enfin bah, bon. Non, mais parce que j'ai tapé un peu du... Oui, oui, t'as... Sur tout le monde. J'ai oublié un peu de taper sur ça aussi, le club. Je suis désolé, mais les opérations économiques comme ça, franchement, il fallait attendre la 30e journée pour en avoir. Alors que ça fait un moment que l'Alliance... Un peu quand même. Non, pas assez. Donc j'avais oublié de taper sur le club aussi. Donc voilà, comme ça tout le monde est content. Ouais. Bon. Du bon Willow. François, oui. Semaine cruciale pour l'OGC Nice, peut-être pas décisive encore, parce qu'il restera encore 3 matchs derrière, mais pas t'as Lorient. Ah, c'est décisif. Si tu bats décisif pas... carrément. Ah, bah si tu bats pas Lorient, tu peux plus espérer. Lorient, Marseille, Strasbourg, moi je te parle des 3. Ah, ouais. Semaine décisive. Oui, décisive, oui. Semaine de tous les dangers. Il faut battre Lorient. Il faut d'abord battre Lorient, c'est ça. Après, à Marseille, t'as rien à perdre, et puis... Après, enchaîner à la maison. Hein. Marseille, t'as rien à perdre. Enfin, oui, quoique oui, avec les résultats qu'il y avait eu, oui, c'est du bonus. Mais je pense que si t'arrives à faire carton plein, c'est sur les 3 prochains matchs. Ouf. Ah ouais. Ça n'a jamais été fait, si. Ça Lorient, hein, à la maison quand même. Après, Marseille Lorient, à l'extérieur, voilà, qui sort d'une semaine de Coupe d'Europe, et si et ça. Mais qui est un peu rincé, ouais. Et c'est plus l'idylle extraordinaire avec Gassé. Quand même, hein. Ouais, mais bon. Strasbourg, bien, c'est presque le match. Strasbourg qui est sauvé. Parce que ça aussi, c'est un très bon résultat du week-end passé. C'est que Strasbourg a gagné. Et du coup, Strasbourg, maintenant, se dit bon, on peut affronter. Mais Patoche, il va avoir un petit sentiment de revanche, Patrick Vieira. Je ne sais pas qui c'est. et du coup, si tu gagnes ces 3 matchs-là, je pense que tu peux arrêter de regarder derrière. Ouais. Comment tu veux gagner ces 3 matchs-là avec des attaquants? Si tu prends 9 points, je fais gym tonic avec un 9 papillon. Ah, c'est tout? Après, on a vu comment Montpellier a battu Lorient, quoi. Enfin, ils se sont fait enfler les merlus là, complètement, quoi. Payet, c'était la folie. Avec en première mi-temps, ils obtiennent un penalty. Lorient, penalty est invalidé par la VAR. Donc 0-0 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, une action confuse, un Montpellierain qui tombe dans la surface. Penalty absolument, enfin, je veux dire. Imaginaire, pas de VAR et 1-0 pour Montpellier, Savanier. Ah, voilà, l'arbitrage. Mais à Ferry, ça fait deux week-ends d'affilée qui se plaint. L'arbitrage. Je ne voudrais pas qu'il soit récompensé. Voilà. Nous, en général, on aime bien se faire aussi. C'est qui d'ailleurs l'arbitre? Les arbitres, c'est Jérémy Stina, il me semble. Un très bon arbitre. Je dis peut-être une bêtise, on va me confirmer ça dans l'oreillette à un moment donné, mais dans mon souvenir, c'est monsieur Jérémy Stina. On va écouter Francesco Farioli avant de confirmer cette information, justement, sur cette équipe de Lorient qui est barragiste hein, pour le moment, 16e au classement, et donc qui joue le maintien dans cette fin de championnat. Lorient est une équipe qui, depuis la phase retour, a changé de rythme. Ils sont sur une série de bons résultats.
C'est une équipe très organisée qui réussit à gérer deux phases de non-possession, une basée sur l'agressivité et l'autre sur l'attente. Et contrairement à nous, elle a une très grande efficacité offensive avec le PSG, c'est une des efficacités offensives les plus élevées du championnat. C'est une équipe qui transforme plus d'occasions qu'elle arrive à en créer. Donc tout le mérite revient aux joueurs qui arrivent à générer des occasions avec leur style de jeu. Maintenant, nous, on doit essayer de limiter leur domaine fort, c'est-à-dire les sorties sur terrain ouvert. À l'aller, on avait perdu 2 points chez eux après un match de haut niveau. Maintenant, on s'attend à un match difficile. Les deux équipes ont besoin de points et les points comptent double à cette période du championnat. Donc, ça va être un match ouvert et il faudra que l'envie de notre côté soit forte et qu'on y mette de l'attention et de l'intelligence. Voilà donc Francesco Farioli donc sur cet avant-match entre Nice et Lorient. J'attends toujours la confirmation de l'arbitre, c'est pas encore venu mais ça ne saurait tarder, vous allez voir. En attendant, on va aborder eh bien un petit jeune qui commence à marquer quelques buts avec l'Académie. Alors oui, il fait la moue parce qu'on a déjà eu un débat entre nous cette semaine sur ce sujet-là. Le petit jeune, c'est Victor Orakpo qui est arrivé donc au mois de janvier du côté de l'OGC Nice, qui est pour l'instant à disposition de l'Académie et qui a eu eh bien, le bonheur cette semaine de marquer 3 buts face à la réserve de l'AS Monaco. On va aller voir d'ailleurs ces 3 buts à un moment donné pour Victor Orakpo. Oui, je vais m'adresser directement à toi. Pourquoi ne pas lui donner sa chance compte tenu eh bien, de la méforme de nos attaquants depuis le début de la saison? Il y en a un qui marque des buts, certes il est jeune, certes avec la réserve, mais il ne ferait peut-être pas pire que les autres. Mofi, 25 millions. Boga, 18 millions. Shaw, 10 millions. Ouais, mais Guessant, formé au club. Ouais. Et ça fait déjà 3 saisons au niveau des pros. Baldé, ouais, 2 millions, mais déjà 2-3 okay. saisons en pro. Okay. Et tu vas me dire... Et tu vas me dire... Laborde, ouais. 30 ans, ouais. 3 saisons d'affilée à 15 buts chez les pros. Bon, pas cette année, mais bon. Et tu vas me dire que c'est un gamin arrivé en janvier en Europe... Et qui va marquer des buts. Eh ben pourquoi pas. Ouais, pays des bisounours, pour moi, ça n'existe pas. Non, pourquoi pays des bisounours. Mais Romain, un jeune joueur, ok, il vient d'arriver, il marque des buts qu'avec la réserve. Mais quand on voit l'inefficacité de nos attaquants, on ne se dit pas qu'à un moment donné, on peut lui donner sur ses 6 derniers matchs 10, 15 minutes, voire plus de temps de jeu? Non, ce serait possible. Après, ça ferait partie de ces belles histoires qu'il a déjà eues. Hein. Bah oui. Mais je pense que c'est le coach qui est peut-être le mieux placé pour savoir si c'est le bon moment pour le lancer. À ce stade du championnat, je continuerai quand même à faire confiance à mes attaquants et à tout faire justement à l'entraînement pour qu'ils retrouvent confiance l'efficacité. Confiance aux attaquants qui ne marquent pas. Okay. Voilà. Les faire travailler. Allez, attends, je viens de voir les buts en plus. Non mais là, c'est le troisième, c'est le gardien de Monaco. Non, mais il n'y a pas que le troisième. Le deuxième, là, il a percé au milieu de terrain. Il faut les mettre. Boga, il n'a pas mis. Et il y avait Stepos. Mais Boga, face au but, il n'a pas mis. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais non, mais d'accord, mais c'est à notre niveau quand même chez les pros. J'en sais rien. Moi, ce que je vais dire, c'est Victor Orakpo, super, continue à marquer des buts avec l'Académie, progresse. Et rendez-vous peut-être la saison prochaine pour quelques apparitions. Moi, je revois Bonani. Bonani, pour moi, j'adore. Il joue pas. Voilà. D'ailleurs, c'est la bonne transition. Il va pas jouer contre Nice parce qu'il joue peu d'ailleurs, je crois. Globalement, il a joué la dernière fois. Il était titulaire avec Lorient. Mais moi, j'adore Bonani. Je suis sûr qu'il a le niveau pour faire des bonnes choses chez les pros. Mais t'as vu le temps qu'il a fallu déjà pour que Nice lui donne sa chance. On l'a encore prêté. Alors tu vas me dire qu'on va exposer un gamin qui est en Europe. Mais moi, depuis... tu me parles pas d'âge. Eh oui, excuse-moi, Kiki. Non, mais il faut raison garder. Moi, je pensais pas donner une bonne opportunité au gamin. C'est le mettre sous pression trop vite. Et puis, tu imagines le message que t'envoies à tes attaquants. Oh, les gars, vous êtes bidons, je vais faire jouer le gamin qui vient d'arriver il y a 3 mois, qui a 19 ans. Non, puis c'est un grand gabarit qui a besoin d'arriver un peu à maturité. C'est pas top, quoi. Tes attaquants, ils marquent pas, mais là, tu leur casses encore plus le moral. Mais pourquoi pas? De l'entreprise, à un moment donné, t'es nul, et bah tu sors, et on met un autre, plus jeune. Plus à bon, la limite, plus il peut y avoir une forme d'entre-deux sur les derniers matchs, tu le prends. J'ai pas le gabarit de rapport. Est-ce que tu peux pas le prendre dans le groupe 2-3 fois en fin de saison sur le banc, éventuellement 10 minutes et à jouer, pousser un peu d'insouciance. Mais après, le risque, c'est de le cramer. Mais je te dis pas de le mettre titulaire non plus. Non, mais t'arrives pas à donner du temps de jeu à Baldé. T'arrives pas à donner le temps de jeu que mérite Evan Dessart. C'est le même poste. Orakpo, c'est plus un axial. Guessant, il devrait jouer plus que ça. Et mais Guessant, déjà, il marque pas de but non plus. Mais Guessant, il joue pas il assez. Il est bon, mais il marque pas c'est de le but. Meilleur neuf et il joue pas assez. Et tu vas me dire que c'est un gamin de 18 ans qui va marquer des buts. Non, non, non. Je sais pas. Bon, alors, on a posé quand même la question à Francesco Farioli. Écoutez la réponse du coach italien.
Il est déjà venu avec nous faire quelques remplacements à l'entraînement. C'est un joueur qui appartient au club. On l'a évalué ces derniers jours. Il a fait de très bonnes prestations, notamment récemment avec un triplé contre Monaco. Maintenant, c'est à lui de gagner sa place. En tout cas, que ce soit moi ou le club, on est très curieux de voir son évolution. On est sûr qu'il aidera l'équipe dans un futur proche. Maintenant, ça dépendra de lui. Aider l'équipe dans un futur proche. Quel futur proche? On n'en sait rien. Ça dépendra de lui. Ça, c'est la réponse du coach. Une bonne réponse de Normand. Il doit être Normand, Italo-Normand, je pense, Francesco Farioli. Possible, mais c'est la réponse intelligente. Le gamin, il encourage et en même temps, il dit à ses attaquants, mais non, vous inquiétez pas. C'est ouais, ça. Bah, donc, et la prochaine fois, c'est très bien. Continuons comme ça. Et finissons 7e de Ligue 1 et tout le monde sera content. Oh, le pessimisme. Moi, je dis 3-0 contre Lorient. Et Nice va finir 4e à la fin de la saison. Voilà un peu une vague d'optimisme. Allez, vas-y. Allez, ça va. Ta vague d'optimisme, tu vas me la donner ici pour la compo probable. C'est parti. Allez. Et pendant que tu arrives, eh bien, évidemment, c'est bien Jérémy Stina qui sera l'arbitre de cette rencontre entre Nice et Lorient. L'information a été confirmé. Allez, on y va. On commence par la défense. La défense qui, bon, ça sera du classique. Ça bouge plus. Marcin Bulka, Lotomba, Todibo, Dante Bar. On profite pour dire que Valentin Rosier est encore indisponible pour ce week-end. Belle pioche au mercato d'hiver. C'est ça quand t'as pas beaucoup de moyens. Hein. Tu fais des opportunités de marché, des opportunités qui marchent pas, qui sont pas prêtes physiquement. Si t'avais des sous, t'aurais pris un autre profil. Lyon, ils ont fait un bon mercato. Il a des sous. John Textor. Jim Ratcliffe avait moins de sous que John Textor. Jim Ratcliffe, ses sous, il les réserve outre-Manche. Ah, d'accord. Au milieu. Au milieu, donc le Pablo Rosario qui a été pour moi le joueur avec Todibo qu'on a retrouvé convaincant à Reims, mais j'ai adoré Pablo Rosario. C'est un indispensable aujourd'hui. Youssouf vient de reprendre l'entraînement, donc je pense que voilà, Rosario sera privilégié. Sanson aussi, il a eu 15 jours, mais lui, ça lui a pas permis vraiment de bien récupérer depuis Reims. Donc, ça sera plutôt du Boudaoui Khéphren Thuram en relayeur. Mmh. Et devant? Et devant, ça c'est aussi la triplette aujourd'hui qu'affectionne le coach avec Chou à droite, Boga à gauche et Mofi dans l'axe, à mon grand regret. Oui, parce que toi tu milites, on le sait. Je milite pour Evan Guessant, qui, à Reims, on n'a pas fait une entrée. Encore. Ouais. Donc je milite pour Guessant et je milite aussi pour un retour de la légende dans Gym Tonic. Il nous manque. Eh oui, il nous manque la légende. Bon, après François, il est bon quand même. Regarde, il va nous faire dans quelques secondes. Bien sûr qu'il est bon. Il va nous faire le souviens-toi dans quelques secondes, mais il est bon. On l'embrasse, la légende, évidemment. Il y a un cadeau à gagner cette semaine. On y va. Et le cadeau, c'est deux places pour un gala de MMA. Pas de football, évidemment. Cette semaine, on vous fait gagner le premier gala de MMA organisé à Nice par Jérôme Hardison. Ça sera le 25 mai 2024, du côté de la salle L'Hérite, dans la Marraine, c'est Manon Fiorot. Manon Fiorot, ouais. Notre athlète niçoise à l'UFC, prochainement championne du monde. Et son compagnon et entraîneur Aldric Cassata qui a fait lui la carte. Voilà, c'est lui qui a réuni les combattants. Qui a fait les matchs. Fait gagner deux places pour ce gala le 25 mai donc à la salle L'Hérite. Et pour cela, vous en avez l'habitude, il faut pronostiquer le score entre Nice et Lorient avec le nom des buteurs s'il y en a, le petit hashtag Gymtonic, si vous RT. Si vous retweetez, comme on dit aussi, la petite vidéo, c'est encore mieux. Vous donnez encore plus de chances de gagner sur les réseaux de Nice Matin. Voilà, deux places à gagner pour ce gala de MMA. Est-ce qu'il y a une rencontre prévue entre Vivien et François dans cette... Est-ce qu'on ne les mettrait pas dans un octogone à un moment donné? Il faudrait que je propose ça à Aldric, tiens. Ouais. Pourquoi pas, La jeunesse contre l'expérience. Oui. On arrivera à parler de basket avec François, ça va, ça serait trop calme. Attention aux écharpes, j'espère qu'ils vont bien nettoyer
La cage et le tapis. T'es prêt? Ouais. C'est bon, t'es chaud? T'as pas de message à envoyer, d'appel à faire? Pas de tout blessé, va bien pas de blessure, pas de rien. Bon, et ben on y va alors. Allez, c'est parti. Le téléphone n'est pas cassé. Le souviens-toi, allez, go. Baki Alé, Bakary Koné, c'était le chant que chantait évidemment la Populaire Sud quand Bakary Koné portait les couleurs de l'OGC Nice en provenance de Lorient. Il est allé ensuite à Marseille, hein, vous avez vu. Où ça? Lorient, Marseille, Nice, c'est le triptyque de cette semaine. Mon cher François, c'est à toi. Un peu de tendresse dans ce monde de brut. Ah mais t'as raison. Bakary Koné, Baki Koné, un attaquant au regard tendre. Et au dribble ravageur. C'est beau. C'était lui, Baki. Baki, en effet, était arrivé de Lorient, des Merlus, en 2005. C'est un garçon qui avait été découvert par Christian Gourcuff, alors qu'il jouait au Qatar. Et quand Gourcuff était retourné à Lorient, il avait réussi à convaincre ses dirigeants de prendre ce petit attaquant ivoirien. Il avait eu du mal à les convaincre parce que Baki Koné avait une particularité, il mesurait 1m63. Ouais. Et 1m63, c'est pas beaucoup, surtout pour jouer en Ligue 1. Et donc, il était arrivé à Lorient par la petite porte, Baki Koné. Et au bout de deux saisons, il était meilleur buteur de Ligue 2, sous le maillot des Merlus, en Ligue 2. Et c'est à cette époque qu'arrive Frédéric Antonetti à Nice. Et la priorité de Fred Antonetti au Mercato, c'était Baki Koné. Et il avait eu carte blanche de la part de ses dirigeants. Donc Baki Koné était arrivé à Nice. Et ça a été le début d'une belle histoire. Vraiment une belle histoire entre ce garçon, le public du Ray. Parce qu'à l'époque, on jouait encore au stade du Ray. Et les supporters, le club. Et un garçon attachant. On voit la photo avec David Helbig. Ouais. À l'image d'une équipe que j'ai beaucoup aimée personnellement à l'époque. Et qui regorgeait de garçons attachants, on le voit avec Lille en Lassande. Il avait des valeurs. Voilà, et c'était Lassande qui faisait partie des deux anciens, un peu de caractère avec Cyril Roll, l'ancien Bastier. Et on voit Helbig encore là, il y avait aussi Florent Balmont, il y avait les débuts de Hugo Lloris dans les cages cette année-là, qui avait fait une saison remarquable. En défense, on avait Apam et Kanté, on avait Diakité à droite, on avait Ederson, qui est la touche technique du milieu. Et donc, cette équipe de l'OGC Nice avait fait... Baki Koné avait fait trois saisons, de belles factures sur le front de l'attaque de l'OGC Nice. Alors, c'était un dribbleur. C'était un attaquant, c'était un joueur qui créait. C'était une cible aussi. Il fallait protéger les artistes, parce que je me souviens, Frédéric Antonetti, souvent, en conférence de presse, d'après match, se plaignait du traitement réservé qu'il n'était pas assez protégé par le corps arbitral. À l'époque, on avait accès à la table du kiné après les matchs au stade du Ré. C'était quelque chose de voir les hématomes sur les chevilles de Baki. Il était ciblé, il n'était pas maigre, hein, Baki. Il était assez costaud, mais il était petit, il était forcément léger et il était en difficulté sur les... Parfois, c'était des attentats, quoi. Il avait fait une bonne première saison, une deuxième un peu plus difficile avec des blessures. Et puis il y a cette saison 2007-2008 où là, il flambe, il marque 14 buts. L'OGC Nice finit 8e. Je crois que c'était le meilleur classement à l'époque depuis un certain temps. Et il y a un match dont je me souviens particulièrement, c'est un match au Parc des Princes avec une victoire passée un peu aux oubliettes. Victoire 3-2 face au PSG. Avec un premier but assez fabuleux de Baki là, qui enroule Zoumana Camara, une frappe enroulée dans la lucarne de Landreau. Donc Nice avait mené 1-0 au Parc. Là, c'était au mois d'avril, c'était il y a 16 ans exactement. J'étais à ce match-là au Parc. Qui était toi aussi. Et c'était une belle soirée printanière au Parc des Princes. Et on le voit félicité par Ederson justement. Et Paris avait égalisé par Louis Ndoula, il me semble, il y avait un partout. Après Paris avait pris l'avantage avec Pauleta qui avait marqué son but. Et Nice était mené 2-1 en deuxième mi-temps avant un final complètement fou avec Baki Koné qui avait égalisé sur cette action-là où il va faire une série de dribbles intérieur-extérieur là.
Voilà, ça spécial. Hop, hop. Voilà, ouais, mouchoir de poche, ouais, et bim, petit pointu là devant l'endroit. Qui casse les reins, ça, si Armand qui casse les reins. Voilà. Il y a Yepes, non ? Ouais, il y avait Yepes. Il y avait Yepes et Armand. Là, il y a rendez-vous. Décidément, Armand, il s'est souvent cassé les reins contre le Souvent Ben Arfa aussi cassé les reins. C'est Ederson qui avait marqué le troisième but du gym, qu'on verra peut-être pas. Oui, et Chouafni, capitaine, exactement. Exactement. Tu me vois plus. Et donc, grande soirée avec ce 3-2 au Parc des Princes, et je me souviens de Fred Antonetti justement qui criait à la fin à l'arbitre c'est fini, on entendait que lui dans le Parc des Princes, et puis cette victoire qui avait fait du bruit à l'époque, hein, même si on l'a oublié maintenant. Ouais, c'était pas le grand Paris. Non, c'était pas une grande saison du Paris, mais il y avait des joueurs quand même. C'était pas encore le PSG des Qataris. C'était le PSG de Le Guen, je crois. Moi, bah, qui connaît, dont je me souviens aussi, c'est quand il avait martyrisé Jeannot avec un beau lob. Ça, je me souviens plus du tout. Armand qui est stéphanois, d'ailleurs. La mémoire sélective. C'est pour ça que j'ai fait ce clin d'œil. Bon. Merci, mon cher François. Merci, mon cher. Un petit peu, oui, un petit conclure, parce qu'en fait, bien, oui. Voilà. Non, ouais. En fait, cette saison-là, Bakhi avait un rêve. Ouais. Fred Antonetti disait toujours, Bakhi a le niveau pour jouer à la Ligue des Champions. Mm. Il l'avait joué la saison d'après avec Marseille. Mm. Il avait disputé son premier match au Vélodrome contre Liverpool, dans un stade plein, enfin, c'était magnifique. Et il avait marqué son premier but avec l'OM contre le PSV en Ligue des Champions. Donc il avait accompli son rêve, et il y avait deux autres joueurs aussi à l'OGC Nice qui avaient accompli un rêve. C'était Hugo Lloris qui rêvait de sa première sélection en équipe de France et qui, en même temps que Bakhi Koné marquait son premier but avec Marseille, avait été sélectionné avec l'équipe de France contre l'Uruguay. Mmh. Et il y avait un troisième joueur qui avait un rêve, je me souviens, c'était Onyekachi Apam, le Nigérien, qui allait disputer les Jeux Olympiques avec le Nigeria à Pékin et qui avait disputé la finale contre l'Argentine de Messi. Ouais. Voilà, c'était un bel été pour tout le monde. Magnifique. Ce joueur-là, et après, effectivement, Bakhi Koné. Apam qui est revenu au club. Hein, il travaille. Ouais. Et Bakhi qui était revenu en 2014 pour s'entraîner à l'époque, ouais, pour retrouver la condition. Il est toujours resté en très bon terme. Là, avec, on ne sait pas trop ce qu'il est. Il est retourné après en Côte d'Ivoire, dans son club d'origine, au Mimosa. Et il avait fait encore une apparition à 36 ans pour le plus grand bonheur des supporters locaux. Et puis après, il avait un poste de dirigeant. Et je crois qu'il est toujours impliqué dans le football ivoirien. Il y aura peut-être un jour le trophée sûrement, de l'ancien aiglon. Ouais. Ah ouais. Il avait été quatre fois. Il avait eu quatre fois le trophée du meilleur aiglon durant cette année 2007-2008. Je crois que c'est un record. Quel moment. Pas bientôt le trophée de l'ancien Néglon. J'espère, ouais. Voilà. Ouais, très certainement, donc, le club, il oublie pas les anciens. Donc, ouais, j'en suis sûr. C'est ça. Dès que l'opportunité se sera. J'aurais bien voulu faire un sou bientôt. Que Virginie Rossetti saura lui remettre ce beau trophée. Je voudrais faire un sou bientôt sur Romain Genevoix la prochaine fois, si vous me permettez. Oui, mais Romain, il vient à peine d'arrêter, le pauvre. Là, tu vois, on va pas lui faire le passer pour un ancien. Oh là là, le pauvre. Ah, pas tout de suite, on va attendre un peu. On va attendre un peu. Non, mais je. J'apprécie l'attention. Oui, il a raison. Il a raison. Romain, merci beaucoup d'avoir été sur le plateau de Tectonique. C'était toujours un plaisir. Super comme d'habitude. Messieurs, merci beaucoup. Merci à toi. Bon match face à Lorient. Merci à Sophie Doncet, Chloé Vorgard et Philippe Bertigny à la préparation, la réalisation de cette émission. On se retrouve très vite. Bonne fin de semaine à tous. Bon week-end et à bientôt. Bye bye.